était plusieurs organismes qui, en 79, avec l'arrivée des Boat People d'Indochine, on a créé petit à petit ce qui est maintenant la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. Mais pendant longtemps, pendant 20 ans, on était la table de concertation de Montréal pour les réfugiés. Au niveau de l'action communautaire autonome, on amène l'idée d'être centré sur la population qu'on accompagne. Et tous les organismes qui sont membres de la table y adhèrent et en fait sont nés suite à la population qui est arrivée. En fait, j'avais cette vision de rendre la TCRI un peu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand regroupement quand même avec pas mal de ressources aussi, qui œuvre dans différents secteurs, donc qui est toujours là pour soutenir les organismes, pour accompagner les organismes. Donc la force de la TCRI, c'est ses membres. En fait, moi, je vois un peu la TCRI comme une plateforme, un espace où des gens qui ont envie de s'impliquer, qui veulent être créatifs, qui veulent changer les choses dans le domaine de l'immigration. La TCRI pour moi représente un rouge, comme un immense rouge, où chaque alvéole c'est un organisme qui sert les communautés immigrantes et où tous ensemble on a les douceurs de l'intégration réussie des personnes immigrantes, l'intégration socio-économique mais aussi l'intégration culturelle et c'est un grand plaisir de savoir qu'ensemble on peut bâtir des choses intéressantes autant pour la société d'accueil que pour les communautés culturelles. La TCRI, je la vois vraiment comme un carrefour, un lieu d'échange, mais entre différents milieux. Donc, tu sais, oui, il y a l'interculturel dans la mission de la TCRI, mais je trouve que c'est vraiment un intersectoriel. Donc, vraiment la rencontre de plein d'acteurs, plein de milieux. C'est l'organisme qui tire la sonnette d'alarme quand les fonds ne sont pas au rendez-vous, ou bien quand les intérêts et les besoins des personnes immigrantes et réfugiées ne sont pas pris en compte. Je pense que la TCRI, c'est aussi beaucoup ce qu'on en fait. C'est un espace qui appartient à ses membres. Et donc, pour moi, c'est important que les gens qui se retrouvent autour de la table prennent cet espace de parole, prennent cette liberté aussi de se mettre en relation et de ne pas avoir peur d'initier des actions collectives. Alors, je dirais que la TCRI m'a beaucoup servi en ce sens-là pour mettre de l'avant des actions, des revendications et des projets dans lesquels je croyais. C'était de créer une vraie coalition, de créer une vraie concertation, ça veut dire qu'il n'est pas dirigé d'en haut vers le bas, mais où les membres restent des membres vivants. Il y a eu plusieurs victoires, je pense que c'est surtout l'élargissement des services, qu'au début il y avait les services pour les nouveaux arrivants, étaient limités à 12 mois. Puis après, ils devaient aller chercher leur service au CLSC ou ailleurs. En fait, j'ai eu plusieurs moments importants. D'abord, avec le volet protection, le volet du cœur, où on parle de la vulnérabilité, tous les enjeux reliés aux personnes demandeurs d'asile et réfugiés. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, un portrait de ce que vivent ces personnes-là, parce que c'est sûr qu'en intervention, on a des petits extraits, mais on n'a pas tout. Et quand on sait ce qui se passe avec tous les changements de loi, avec les changements de programme, bien, ça nous aide à être mieux informés et donc mieux intervenir pour que ces personnes-là s'intègrent. Je pense que le gros défi, la décennie là, qu'elle en entame, je pense va surtout être marqué là, après, avec tous les discours populistes anti-immigration qu'on voit apparaître dans tous les pays et aussi au Canada et au Québec là, qui s'amplifient hein, d'année en année. Donc ça va être, je pense, la grosse bataille des prochaines années. Nous, partout au Québec, on a besoin de travailler ensemble. On parle de régionalisation de l'immigration, c'est mon dossier. Un dossier pour lequel je milite beaucoup, mais il y a la cause des femmes immigrantes et racisées, il y a les enfants, il y a tous les volets qu'on a, les réfugiés, les personnes demandeurs d'asile. C'est tellement vaste et ça touche
toute la société. Alors que la TCRI prend son ampleur et se positionne davantage partout au Québec, c'est ça, un objectif très louable et on doit travailler ensemble pour le réussir. Tu sais, on prend ça souvent très montréalais, le fait des personnes migrantes et réfugiées, mais ce qui est bien de la TCRI, c'est que c'est pan-québécois. Donc aussi, je pense que c'est un travail qui est vraiment tentaculaire de nous mettre en lien avec non seulement la réalité montréalaise, mais la réalité pan-québécoise. Dans la dernière année, là, on les compte plus. Chaque nouvelle politique, en fait, vient un peu saper les droits des personnes réfugiées, surtout immigrantes et encore plus demandeuses d'asile. C'est un défi sur lequel la TCRI aide les organismes aussi à faire valoir que, oui, ils ont une expertise, mais qu'ils ne sont pas là pour travailler tout seuls, qu'on est comme une société d'accueil et pas juste un organisme d'accueil. La TCRI, quoi qu'elle est déjà très forte, la TCRI, c'est une concertation qui est très forte avec maintenant 150 membres. Dans 10 ans, il y aura encore plus de monde, la concertation sera encore plus forte. Et évidemment, si la concertation est plus forte, la TCRI sera encore plus forte pour faire valoir ses points, comme elle le fait aujourd'hui à ATSA. Pour moi, la TCRI est reconnue, mais j'aimerais qu'elle le soit encore plus. Non pas seulement par les organismes ou par les personnes qui le côtoient ou qui voient un peu le travail qui se fait tous les jours, mais aussi par la population en général. J'aimerais que ce soit comme un clic, en fait, dans la pensée des gens lorsqu'il y a une question de défense des personnes réfugiées à Montréal ou au Québec. La TCRI joue un rôle très important parce que la TCRI, c'est un phare qui réunit les différents acteurs sur le terrain. Donc, ça nous prend une centrale, un point de ralliement où on peut aller chercher l'information et avoir des échanges. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. C'est comme ça qu'on s'outille mieux pour tisser notre société d'aujourd'hui, mais la société de demain. Parce que c'est ce qu'on veut. On va avoir une société québécoise cohérente et inclusive. Je souhaite que la TCRI, dans un contexte où les enjeux migratoires sont importants, eh bien, qu'elle joue ce rôle de représentation, de plaidoyer et de s'assurer que, en fait, les intérêts des personnes nouvellement arrivées soient reconnu. Et bon anniversaire, 40 ans, c'est tout jeune, fait qu'il vous reste encore beaucoup, beaucoup d'années.